La rentrée des classes, c'est le début de la semaine prochaine, rappelle la prospérité. Cependant, affirme le journal, les gouvernements se trouvent entre l'impératif de respecter les calendriers scolaires et la difficulté réelle des parents à subvenir aux besoins de leurs enfants d'un côté et de leur côté le maquis post qui ravage, qui menace la ville de Kinshasa. L'épidémie de Mpox en RDC gagne du terrain du jour au lendemain, constate Forum des As. 35 cas de décès viennent d'être enregistrés, passant ainsi de 575 à 610 décès sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a indiqué les derniers rapports du ministre de la Santé publique. Pour les journaux Info 27, il est impératif d'adopter des stratégies innovantes pour contrer cette épidémie. La vaccination contre les Mpox, les tests de détection rapide et les méthodes de détection moléculaire doivent être déployées de manière systématique. En parallèle, ajoute les tabloïdes, les traitements et antitroviraux est crucial pour limiter la mortalité souvent élevée associée à la maladie. À la conférence parlementaire sur le réchauffement climatique tenue à Malebo, la RDC exige le respect des ressources naturelles. Prenant la parole, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumba, relayé par Radio Okapi, dénonce la guerre d'agression contre la RDC. Et puis, avant de terminer, justice par le biais d'un communiqué du cabinet du ministre de la Justice parvenu hier mercredi à l'opinion.cd, Constant Moutamba a le plaisir d'informer le public sur sa position. La Premier ministre Judith Suminwa a, depuis le 21 août 2024, signé le décret numéro 24/04 portant sauvegarde des patrimoines des entreprises publiques et des établissements publics et des services public. Pour la référence, plus Constant Moutamba a mis fin à la prédation, désormais écrit les tabloïdes, les biens des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics de la RDC est insaisissable. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans ces magazines des débats et analyses. Sur ces plateaux, nous avons Pasteur Serge, cadre de l'ECIDE, membre de l'opposition. Il vous fait l'honneur d'être avec nous. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, cher compatriote Daniel, pour une fois de plus de ton invitation. Permettez-moi également de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Malgré la situation, le Congo traverse un moment de turbulence très complexe. Tous les indicateurs de la vie sociale sont rouges. Donc nous vivons grâce à Dieu. Vraiment, c'est très complexe. Hein? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi à un moment donné on se pose des questions? Pourquoi Dieu a voulu que nous soyons Congolais? On pouvait être Rwandais, Ougandais, Burundais, peut-être on serait en sécurité et en train de réfléchir comment développer. Mais ici, les Congolais cherchent d'abord la paix, cherchent le moyen de se déplacer, c'est-à-dire aucun système de mobilité. Nous vivons dans un pays où juste nos propres immondices, depuis que l'Union européenne est partie, on se bat. Maintenant, on vient de recruter même l'armée. Certes, la Constitution dit que l'armée est là pour défendre l'intégrité territoriale et la population. Mais en temps de paix, l'armée aussi peut participer dans des activités à caractère social. Mais le pays traverse un moment de turbulence. Comment on peut recruter les militaires au moment où il y a des structures qui sont là, donc ils sont payés même pour faire ce travail.
Donc, c'est vraiment difficile, chers compatriotes. Nous vivons dans un pays, pour terminer, un pays où il n'y a même pas la carte d'identité. Le gouvernement, ça c'est maintenant la septième année, incapable d'identifier les fils que les Congolais. Ça demande pas aussi, je ne sais pas, le miracle. Juste venir dans ta parcelle te demander, monsieur Daniel, on vous appelle comment, tu as combien d'enfants, tout ça. Les gens sont incapables. Vous allez attendre ici qu'il y a des gens sérieux qui travaillent pour le devant le pays. Et nous sommes dans un pays, malheureusement, où il n'y a même pas le permis de conduire. Chacun roule avec son véhicule. Donc, c'est vraiment malheureux. Ça, c'est l'enfer dont la Bible fait allusion. Mais qu'est-ce qu'on va faire? À un moment donné, on se décourage. On pense comme les autres, soit prendre les enfants, fuir, aller ailleurs. Mais nous, nous avons levé l'option de ne pas fuir. Nous allons continuer ce combat. Je serai très heureux, très heureux un jour, même de tomber par une balle, ou soit, comme j'ai vu les autres là, mourir, soit par la tortille. Par d'autres conditions qui nous déplorent ici, et qui de garder le silence et rester à la maison parce qu'on a peur de parler. C'est pourquoi on a levé l'option. Lorsque vous nous invitez, nous venons ici pour défendre notre pays, surtout donner encore une nouvelle énergie à ceux qui sont découragés, à ceux qui sont fatigués. Et pour terminer, je salue les co-débatteurs. Je crois que nous allons élever les débats pour essayer d'apporter notre petite pierre dans l'édifice qu'on appelle Congo. Merci. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul, vous l'avez dit. Marius Moubalama, analyste politique également. Cher Marius, bienvenue également. Proche de Denis Mukwege, il faut préciser que vous êtes proche de Denis Mukwege. Merci. Merci beaucoup, monsieur Daniel, pour l'invitation. Permettez-moi de commencer d'abord par saluer la population congolaise qui sont en train de nous suivre à ce net moment. C'est moi qu'ils attendent beaucoup de nous. C'est pourquoi je voudrais que sur ce plateau, que nous puissions élever les débats pour l'intérêt de ceux qui nous suivent. Mes salutations aussi à mes co-débatteurs avec qui nous allons avoir des échanges fructueux. Mais je voudrais ajouter une chose, monsieur le journaliste. Je crois que c'est sur votre plateau ici que j'avais décrié la situation sécuritaire. Ça aussi, la sécurité de la population de Bukavu. C'est chaque jour depuis 5 ans que des maisons brillent. Plus de 100 maisons peuvent partir en fumée en une journée. Et cela dans différents quartiers. La population, plus de 2500 ménages sont à la belle étoile. De vieillards, de femmes et des enfants, de vulnérables, ne savent pas à quel sens se vouer. Le gouvernement central de Kinshasa n'a jamais soulevé cette question-là, n'a jamais pris aucune mesure pour chercher à savoir les causes profondes de cette situation-là. Et ils sont là, et la population continue à souffrir. Même ceux qui sont à la belle étoile n'ont même pas l'assistance du pouvoir de Kinshasa. Alors qu'il n'y a pas longtemps qu'avant, si je ne me trompe pas, il y a eu l'incendie d'une partie, n'est-ce pas, de marché de liberté à Kinshasa. Vous avez vu comment est-ce que le gouvernement des Souminois, elle-même en personne, s'était mobilisé pour aller apporter réconfort et assistance à la population qui était victime de cet incendie-là. La question que j'ai posée, c'est que la population de Bukavu est-elle différente de celle de Massina, qui ont été aussi victimes et pour qui on a apporté les soutiens ou bien il y cache du pouvoir en place. C'est pourquoi je plaide encore auprès du gouvernement, auprès de Mme Souminois, de faire la même chose pour la population de Bukavu qui a la belle étoile. C'est la population congolaise, c'est la population qui sont sous leur gouvernance et donc ils ont l'obligation et le devoir de les assister. Merci beaucoup. Alors, monsieur Eri Massimbo, acteur politique, qui nous fait encore l'honneur d'être avec nous. Bienvenue également. Merci beaucoup, Congo Mboka, Congo ma nation, Congo mon pays, Congo Nichiangu, Congo Ditungadiani, Congo Mboka, Congo Bolanamono, Congo Mboka Nakobate, la peine à Kobunela Yango. Merci beaucoup, monsieur Daniel, pour la parole. Je commence d'abord par saluer le premier d'entre nous, le président de la République, Jean-Pierre Pé, le président national. Messieurs les journalistes, si vous permettez de faire un petit biscuit, je commence d'abord par saluer le courage et la détermination de notre population de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont victimes d'une guerre, d'agression dont le pays aussi l'est. Je salue leur courage de pouvoir résister, de pouvoir lutter contre cette agression. Un jour la paix reviendra. Et aussi j'encourage M. Gilles Alinguete dans sa détermination et dans son engagement pour la lutte contre la corruption et pour mettre hors état de nuire toute cette mafia qui pille et vole l'argent de l'État et les trésors publics, afin que ce travail que fait Gilles Alinguete puisse contribuer au développement de notre pays. Et aussi, je salue et j'encourage les objectifs que l'IGF s'est fixé pour cette année. Et je crois que
ces objectifs vont permettre d'assainir le milieu de finances publiques. Merci beaucoup. Là, nous avons des thématiques. La première thématique, l'opposant Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et les développements, plaide pour la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation de chefs religieux. L'objectif de cette démarche, selon lui, est de renforcer la cohésion nationale et de soutenir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, alors que le pays fait face à une agression du Rwanda sous couvert du M23. Dans un discours posté sur les réseaux sociaux, Martin Fayoulou a insisté sur l'importance de l'unité nationale. Il dit exaspéré de voir d'autres pays nations progresser et espérer alors que la RDC régresse. Quelle lecture faire de cette thématique? Nous aurons le temps d'y réfléchir. Et la dernière, gouvernement souminois, quel impact sur terrain? Une évaluation à mi-parcours avec nos invités. Alors, ma première question s'adresse à Pasteur Serge Taboko. C'est quoi la motivation de cet appel de Martin Fayoulou selon vous? Merci beaucoup, chers compatriotes, pour la question. Il est des secrets pour personne, mais de prime abord, les idées, c'est un parti politique et notre plateforme, la MUCA, ce sont des grandes structures qui sont dirigées par le compatriote que nous appelons le patrimoine commun, le symbole de l'unité nationale, Martin Fayoulou Madidi, pour le cas de les idées du 1er au 5 mars de cette année en cours, il s'est tenu un conseil national. Il y avait des différentes délégations qui sont venues de toutes les provinces, même de l'extérieur de notre pays. Nous étions ici en train de réfléchir. Et après une analyse minutieuse de la situation sécuritaire politique et des simulacres de l'élection de 2023, et à l'issue de cette analyse, il y a eu un certain nombre de résolutions qui ont été mises en exergue, notamment les points 6, comme vous venez de dire tantôt. Le Conseil a demandé au Bureau national de pouvoir faire des démarches auprès des pères des églises pour nous mettre tout autour d'une même table, essayer de discuter. Pourquoi ? Pour créer d'abord la cohésion et l'unité nationale. On s'est rendu compte que le même slogan que les amis du régime précédent, c'est-à-dire le régime de Kabila, nous disaient ici, que la guerre est asymétrique, l'ennemi n'est pas connu, même la France ne parvient pas, il y a la complicité de la communauté internationale, mais même temps, les Congolais meurent chaque jour. Et deuxièmement, ils avaient encore une autre rhétorique qui disait que l'armée a été infiltrée depuis San City. Ce n'est pas des coups de baguette magiques qu'on pouvait éradiquer tout ça. Et nous, à l'époque, avec notre compatriote Fethi Sekedi, nous pensions que c'était une guerre de complicité. Et il y a beaucoup d'interventions, mais c'est Fethi Sekedi l'a démontré aussi. Même lorsqu'on tuait au Kassai, Félix l'a dit, je crois, les vidéos existent dans les réseaux sociaux. Félix nous a confirmé que ce qui se passe au Kassai, c'est M. Kabila qui est derrière toutes ces histoires-là. Donc, nous n'avons pas crié ou on n'a pas accepté à l'époque que c'était une agression extérieure. On n'a pas accepté à l'époque que c'était la communauté internationale. Mais, vous savez, votre aîné, la même aîné, nous rabattait les oreilles chaque jour ici, que c'est une histoire de la communauté internationale, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, ces gens-là sont au pouvoir, de la manière que vous connaissez. Ils reproduisent les mêmes incantations. C'est une guerre de la communauté internationale, ce sont des multinationales. Je venais de vous rappeler ici, sans oublier votre réponse, que nous vivons dans un pays depuis que l'Union européenne est partie, nous sommes incapables d'évacuer de fisc nos propres immondices. On n'a pas de moyens d'avoir une carte d'identité. On n'a pas de moyens d'avoir même un permis de conduire. Et vous imaginez qu'un jour, ça, par exemple, là, le Burundi, je prends ces mêmes petits pays comme Burundi, soit en Afrique, s'organise aujourd'hui de nous attaquer. Qu'est-ce qu'on va faire?
Vous avez suivi le porte-parole de l'armée qui dit nous, nous sommes sous les, derrière les politiques. Comme ils ont décidé de ne pas attaquer, nous sommes respectueux des engagements de cesser les feux. Malheureusement, les amis en face, c'est-à-dire l'M23, continuent à violer ces engagements et nous demandons à la communauté internationale de pouvoir regarder. Ça, c'est le porte-parole de l'armée. Mais lorsque nous sommes en train de dire tout ça, mais la population meurt. La population continue à mourir. On parle de milliers de déplacés, on parle de millions de compatriotes qui sont morts. Ça, ce n'est pas seulement la partie orientale. Même ici, non loin de vous, ici, au Kwamutu, ici, il y a des déplacés qui sont venus ici à Kinshasa. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les doigts, on regarde. Bon, comme ils n'ont pas la solution, nous estimons qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Et je l'ai toujours dit, l'exemple probable, voilà ce qui se passe par exemple au Moyen-Orient. Certes, la Palestine a aussi des alliés, des Arabes, ainsi de suite, mais ils n'ont pas la puissance comme les Américains et les Occidentaux qui sont derrière l'Israël. Mais l'autorité palestinienne continue depuis 1948 jusqu'à continuer à résister parce que le peuple est uni. Et nous avons vu que ça, c'est la seule issue. C'est-à-dire qu'on doit se mettre debout et mobiliser cette population. Pourquoi? Parce que la guerre que nous subissons aujourd'hui, ce n'est pas une guerre classique. C'est une guerre de complicité. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. Et si Kagame Museveni continue à nous malmener, à tuer des Congolais, sincèrement, en réalité, ce sont des Congolais qui lui donnent cette légitimité. Parce qu'en 96, Mouzé nous a dit que c'était des Aïrois qui avaient levé l'option de chasser Mobutu au pouvoir. Mais une année, deux ans après, en 98, nous dit que non, c'était plus des Aïrois, c'était des Rwandais en particulier, ce sont des Tutsis qui sont venus ici nous envahir, ils ont pillé, ils ont tout fait. Alors, Congolais partout hier, prenez la machette, les bâtons, mais il nous a pas dit que c'était des Rwandais. Donc c'est une guerre de complicité. On s'est pas limité là-bas. De 98 jusqu'à aujourd'hui, je peux aller même à San City, vous avez vu combien de compatriotes qui ont pris des armes. Ils vont aller consulter Museveni, Kagame prend des armes pour venir attaquer. Et quand ils sont là, ils disent que c'est la communauté internationale, c'est la guerre de la communauté internationale. Mais en réalité, ce sont la majorité, ce sont des Congolais. Je ne dis pas que Kagame Museveni sont innocents. Donc, ils sont complices, ils aident. Et il y a même des documents, Museveni, il dit que, par exemple, il dit Kabila, là, on l'a amené au pouvoir. Il arrive là, il tourne les dos. Donc, le problème, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que vous serez d'accord avec moi, cher compatriote, pour organiser ou faire une rébellion. Certes, je ne suis pas expert dans le domaine, mais pour faire une rébellion, il faut avoir des ressources humaines, des moyens matériels, des moyens financiers. Et vous avez vu, même un général congolais, lui-même, il a eu des petits couacs avec Kagame, il décide d'aller se jeter, aller se jeter à la CPI, on lui pose la question, tu es de quelle nationalité? Ici, c'est notre général. Bosco, à la CPI, dit non, je suis rwandais, je vais parler avec Nyarwanda. Voilà, ça, c'est une guerre de complicité. C'est pourquoi la guerre ne finit pas. Et vous avez vu même dans un passé récent, un ancien premier ministre Mouzito qui va se retrouver de l'autre côté avec l'alimentation, la dotation, tout ce qu'on donnait et entre les mains. Et c'est pourquoi on a été même sanctionné. Pourquoi? Parce que vous achetez des munitions, vous achetez des tennis, mais le lendemain, ça se retrouve entre les mains des rebelles. Donc, c'est une guerre de... Parce que Martin Fayulu n'est plus à mesure de rester dans l'opposition. Il veut maintenant... C'est faire un peu la santé politique. Donc, il a échoué dans l'opposition. Il veut maintenant rejoindre l'Union Sacrée. Bon, je te parle. Non, c'est pas à dire. Attends, le sujet, si c'est faillu. Il faut me laisser vraiment l'état d'esprit. Puis, ça part là. C'est du pouvoir. Ils vont seulement attaquer. Il ne représente rien. Il a rien. S'il a des propositions qu'il amène. Donc, je dis ceci. Quand quelqu'un vient avec des propos, je sais que ce n'est pas vous. Vous ramassez tout ce qu'on dit là. Ça, c'est vraiment des raisonnements légers, des propos légers. Fayulu, que vous voyez là. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Même ceux qui prétendent avoir des millions aujourd'hui, avant 2018 ici, ils partaient là-bas chez Fayulu. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas aller dans ces débats-là. Et en dehors de ça, à l'époque de Mobutu, il y avait combien de dialogues? Fayulu n'a pas participé. En 2011, quand on a fait l'ordre électoral avec Papa Tshisekedi, Fayulu a demandé les dialogues. Kabila a botté ça en touche, il est allé faire des consultations, il a débauché les gens de l'IDPS que vous connaissez. En 2019, ici, on nous a ravi le pouvoir par la force. Nang et Kabila s'étaient organisés pour donner une autre personne. Mais Fayulu, en 2019, on a demandé les dialogues FESA en termes de réformes consensuelles. Vous comprenez? Félix a botté ça en touche, il a fait son truc qu'on a appelé si c'est union consultation. Il va débaucher Bemba et Katumbi, et les Moussites et les autres. Et aujourd'hui, Bembe Katumbi, t'es de pleurer. Donc, Fayulu n'est pas prêt dans ces histoires-là. Pourquoi? Parce que, c'est très important ce que je vais dire, dans 30 secondes. Vous savez qu'aujourd'hui, si Nang arrive, je regarde la caméra, si Nang arrive, le camp de Kabila sera en paix. Aujourd'hui, si Nang arrive, le camp de Katumbi sera en paix. Mais aujourd'hui, si Nang arrive, Fayulu ne sera pas en paix. Parce que nous, on sommes des démocrates.
On ne va pas accepter de dealer avec ces gens-là. Comme ils savent qu'on ne va pas accepter, Fayoulou sera chassé d'ici, comme les autres qui sont au pouvoir aujourd'hui. En 96, ils ont pensé que si on chassait Mobutu, ils vont travailler avec la FDL. Mais quand la FDL est arrivée, les autres ont pris des machettes, ils étaient chassés. Vous comprenez? Et les autres, les Mobutus, d'autres Mobutus étaient retrouvés en prison. Donc, Fayoulou, ce qu'il est en train de faire, c'est un démocrate. Mmh. Il ne veut pas donner la caution. Imaginez, j'étais mis par là. Même notre nez. Tout le monde, les gens de l'île de Pesse, ils traversent vers Nanga. Même des cadres de Pesse qui traversent vers Nanga. Hier, là, on m'a dit, si c'est la semaine de Nain ici, un cadre de Guy Luando vient aussi de région de Nanga. Donc, les gens de l'IMLC, Mamba, tout le monde traverse, même à la diaspora. La diaspora aujourd'hui est divisée. Une grande partie de vos qui les autres soutiennent Nanga. Mais s'il faut aujourd'hui lever sa voix pour dire que je soutiens Nanga, mais c'est fini. C'est lui le symbole international. Donc, il ne veut pas cette histoire-là. Parce que ça ne sera pas solution. Si Nanga venait aujourd'hui, ceux qui sont là, ils vont peut-être fouiller. Mais ils vont encore s'organiser. Monseven va appeler encore une autre groupe pour faire Mario, tout ça. Savoie également, comment avez-vous analysé l'appel à la cohésion nationale de Martin Fayoulou? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je viens de suivre le pasteur, ce qu'il a dit. Et ils sont à la recherche d'un dialogue pour la cohésion nationale. Vous allez comprendre que depuis un certain moment, le docteur Denis Mukwege est dans un ballet diplomatique au niveau national et sur le plan international. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour parvenir à arracher la conférence internationale pour la RDC. Pourquoi la conférence internationale pour la RDC et pourquoi devons-nous tenir la conférence internationale pour la RDC? Il n'est pas aujourd'hui, il a aujourd'hui un secret de polichinelle que nous sommes victimes d'une guerre par procuration. Il y a des proxys guidés, télécommandés qu'on utilise pour nous agresser afin que le tireur de ficelle au niveau international puissent bénéficier et continuer à avoir la même mise sur notre matière première. On organise, n'est-ce pas, l'exportation transfrontalière pour exporter notre matière première et l'avoir à un prix, sans négocier avec la RDC. Aujourd'hui, les proxys téléguidés qu'on utilise, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda, l'Ouganda n'ont pas de matière première et on maintient la guerre chez nous, n'est-ce pas, pour que la matière première soit exportée. Et au-delà de ça, nos populations souffrent, sont victimes de guerres, de viols, de tueries et consorts. Et c'est docteur Denis Mukwege qui apporte des soutiens à toutes ces populations-là. C'est pourquoi Denis Mukwege dit, on ne doit pas continuer à limiter, n'est-ce pas, les conflits à un conflit bilatéral entre le Rwanda et la RDC, à un conflit triangulaire entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Mais il y a la dimension internationale. Et c'est pourquoi il faut qu'on s'assoie, qu'on organise une conférence internationale pour la RDC, où nous allons nous asseoir, nous la RDC, n'est-ce pas? Nous la RDC, le pays agresseur, le détenteur de multinationales. Pourquoi il y a cela? Vous savez que le matière première très convoité, c'est le cobalt, c'est le cuivre, qu'on trouve dans les gisements, se trouve ici. Et ce sont des minéraux qui sont indispensables aujourd'hui à l'industrie électronique. Sans nos matières premières en RDC, l'industrie électronique mondiale, shit, tombe. Ouais. Et ces multinationales cherchent à avoir toujours la même mise sur la situation pour que nous continuions dans ce cycle infernal ici. Les questions de dialogue, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La République, nous avions été en 1999 à San City, à Lusaka. On a négocié. Il y a eu des accords. Après San City, après Lusaka, il y a eu San City. Et ceux qui étaient, ils savaient que nous faisons des accords. Mais la situation de guerre va revenir parce qu'on n'a pas encore touché la question profonde de ces conflits-ci. Mais là, ils ont voulu d'abord se constituer une santé politique. Ils ont été amnistiés, mais ils savaient qu'à n'importe quel moment, que notre mandat puisse terminer. Mais après, la situation pourra encore ressurgir. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes ici. Il y a eu des dialogues à Goma. Il y a eu le dialogue de partout. Et aujourd'hui, on continue à nous montrer avec le dialogue, avec le processus de Luanda et le processus de Nairobi, que les Rwandais, si on négocie avec les Rwandais, on aura trouvé solution. Effectivement, on n'aura pas solution. Il n'y aura pas solution parce que les mêmes revendications ont été les mêmes revendications de 99 jusqu'à aujourd'hui. Et la solution n'a jamais été trouvée. C'est pourquoi il y a nécessité de se tenir la conférence internationale pour la RDC. Au-delà de ça, parce que Denis Mukwege n'est pas hostile au dialogue. Mais Denis Mukwege n'est pas dans la logique du dialogue pour le renforcement de la cohésion nationale. Oui. Parce que ce type de dialogue-là, ça finit toujours par
partager le pouvoir. Vous allez voir Mathieu Fayoulou devenir premier ministre. Pasteur ici, devenir ministre, c'est pas moi, des affaires sociales. Donc les politiciens, ils vont encore se partager le pouvoir, mais ils n'auront pas touché les questions profondes des conflits pour lesquels nous sommes confrontés. Mais docteur Mukwege est favorable pour le dialogue de renforcement de la conscience nationale. Okay. Ouais. Le dialogue de renforcement de la conscience nationale. Et non pas le dialogue dont nous sommes de chercher pour se partager encore le pouvoir. Nous étions... Laissez-moi terminer ma réflexion. Nous étions dans le dialogue de Senko avec le prêtre. Ça aboutit à quoi? À deux reprises. Au partage de pouvoir. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons encore de se retrouver dans le même cycle. On fait le partage de pouvoir. Et du coup, la situation des Congolais reste. C'est pourquoi Denis Mukwege ne s'arrête pas là-bas. Il dit, ce dialogue ici de renforcement de la conscience nationale, c'est une étape par laquelle nous devons passer pour que nous tous Congolais, nous soyons au même diapason. Parce que lorsque nous allons à cette conférence internationale pour la paix en RDC, que nous ayons la même parole. Parce que là-bas, il n'y aura pas opposition, il n'y aura pas majorité. C'est le Congo. Okay. Ouais. C'est le Congo qui sera là en train de gagner. Et donc, l'opposition et la majorité, vous êtes nivellés au même niveau. Quand vous allez négocier maintenant, vous allez parler le même langage et nous allons être forts. Rappelez-vous, je crois, si j'ai bonne mémoire, en 1955, lorsqu'encore le père de l'indépendance s'est battu pour l'indépendance, tout le monde avait mis à côté son ego. Okay. Ils sont allés, n'est-ce pas, en Belgique, en conférence. Et à ce moment-là, Lumumba était en prison. Le père de l'indépendance avait exigé que Lumumba, pendant que Lumumba et les autres ils ne parlaient pas le même langage. Mais ils se sont mis ensemble. Ils sont allés à la conférence et ils ont fini par obtenir, n'est-ce pas, l'indépendance. Très bien. Et donc, c'est là qu'est docteur Mukwege. Et ceci, ce dialogue-là de renforcement de la conscience nationale aura quel but? C'est de remédier à la faiblesse étatique. Les problèmes que nous avons ici. Il y a des problèmes ethno-tribales qui ont été gérés par le pouvoir, l'actuel pouvoir et le pouvoir précédent, et ce qui a causé, qui a participé à l'affaissement de la sécurité au pays. Mm-hmm. Ça doit être remédié au dialogue de renforcement des capacités nationales. Il y a aussi le problème de partage, n'est-ce pas, de revenus nationaux, les ressources nationales. C'est un problème qui a, à un moment donné, causé des inégalités dans notre pays. Et ça, c'est géré aussi par le gouvernement en place. Mais également, on doit se rassurer de trouver cette fois-ci, n'est-ce pas, les mécanismes de nous organiser des élections non triquées. Parce qu'il y a aussi ce problème-là des élections au pays. Oui, il y a aussi ce problème des élections-là. Il faudra que, dans le dialogue, ce sont les éléments, ce sont les bits-là dont Mukwege propose qu'on doit poursuivre et ça nous amène à être sur le même niveau. Pour que quand nous allons aller à la conférence internationale pour la paix, là où nous serons, le pays agressé, le proxy qu'on utilise, n'est-ce pas, la communauté internationale, qu'on puisse parler pour que nous puissions quitter ce cycle infernal ici de la guerre. Parce que quand vous attendez monsieur Pasteur en train de parler ici, vous comprendrez qu'il n'a pas fait allusion aux gens qui financent. Parce qu'on peut aller au dialogue, on partage le pouvoir. Mais ceux qui financent auront toujours la même mise sur la situation sécuritaire de notre pays. Et pourtant, c'est là qu'il faut d'abord commencer à taper pour que cette même mise-là soit dissipé. Et je finis par là. Terminé. Moi, je comprends la position de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou vient des États-Unis. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement ici a payé des millions aux lobbyistes internationaux. Et je suis certain que Martin Fayoulou aurait rencontré ces lobbyistes-là qui l'ont amené à changer la position. Et c'est aberrant. Il a compris les dangers. C'est aberrant. Que le pays puisse payer des lobbyistes au niveau international, alors que nous avons Mukwege, nous avons cette cartouche diplomatique très audible au niveau international qui ne demande même pas du franc pour trouver solution au problème que nous avons. Merci beaucoup. Ouais. Merci. C'est vraiment, moi je ne comprends pas comment on peut arriver à ce stade-là. Mm-hmm. Et donc, nous avons intérêt à soutenir la conférence internationale pour la paix en RDC, qui va passer par le dialogue de renforcement de la conscience nationale, afin que tous les Congolais soient au même diapason. Mm-hmm.
n'est-ce pas, merci. Pour aller maintenant à cette conférence-là. Merci beaucoup. Alors, M. Eri, plaidoirie pour un dialogue entre la classe politique sous la médiation de chefs religieux. Vous avez suivi les deux démarches entre Mukwege et Martin Fayulu. Votre point de vue? Voilà, mon point de vue par rapport à la situation d'abord générale, sur la demande ou la sollicitation, la main tendue de Martin Fayulu pour un dialogue en vue de renforcer l'unité nationale et de mettre un terme à cette agression rwandaise. D'un côté, de l'autre côté, c'est une conférence internationale sur la RDC. Oui. Bien évidemment, monsieur le journaliste, si on jette un regard en arrière par rapport à tous les dialogues qui se sont tenus ici au pays, ça n'a pas donné toujours les résultats escomptés. Okay. L'attente de la population n'a pas été toujours prise en compte par rapport à cela. Et aussi, la volonté manifeste des politiques, à un certain moment donné, après les dialogues, après les élections, c'était toujours la contestation. Okay. La psychologie politique de l'opposition congolaise, en général, depuis plus de 3 décennies, s'est construit sur une logique ou une attitude de contestation et de rejet, d'accord, de tout ce que le pouvoir fait. Okay. Hein, ce n'est pas seulement pour le pouvoir actuel, mais même le pouvoir précédent ont subi la même chose ou les mêmes traitements, en fait. Et parler aujourd'hui d'un dialogue, je ne refuse pas. Mais si c'est un dialogue, qu'on va aller dans un dialogue pour l'unité nationale et mettre fin à la guerre, je crois que ça doit être, cela ne peut pas se faire seulement à travers un dialogue, mais aussi par une volonté manifeste de pouvoir sensibiliser la population, de pouvoir sensibiliser notre armée et de pouvoir passer des messages de paix, d'accord ? De pouvoir reconnaître d'abord les institutions en place, de reconnaître le pouvoir qui est légitime parce que c'est le peuple qui a amené Félix Tshisekedi là où il est aujourd'hui, parce que c'est un pouvoir légitime et légal. S'il faut reconnaître, il faut une reconnaissance d'abord de la situation actuelle. Reconnaître Félix Tshisekedi et le président élu, légitimement et légalement. Reconnaître les institutions en place qui travaillent pour mettre fin à cette guerre, pour l'unité nationale, il faut les reconnaître d'abord. Ce sont le préalable pour un dialogue sincère. Parce que les politiques parlent toujours, mais ils ne manifestent pas cela. Deuxièmement, si on manifeste cette volonté-là, on reconnaît les institutions en place, parce que vous allez aller en dialogue avec qui? Très bien. Qui va vous donner les cadres? Qui va financer les dialogues? Parce que vous voudrez bien aller, non, nous sommes des Congolais, nous allons aller là-bas. Mais à un certain moment donné, les gens vont commencer toujours à réclamer des PRDM. Et je ne dis pas, mais à un certain moment donné, ça pourrait déboucher à un partage du pouvoir. Parce que c'est l'expérience que nous avons. Très bien. Et après chaque organisation des élections, les cadres pour la reconnaissance des processus électoraux, d'accord, et aussi des résultats issus des processus électoraux, n'a pas été toujours créé et ce cadre n'a pas toujours regroupé des têtes pour pouvoir réfléchir par rapport à cela et des politiques dans leur logique de rejet toujours des résultats et des actions de gouvernement, des régimes en place qui travaillent. Ça divise aussi. Pour prendre la proposition d'une conférence internationale sur la RDC, mais moi je me dis, est-ce... Ce n'est pas une conférence internationale au modèle des conférences de Berlin pour un second partage de territoire de la République démocratique du Congo. Bon, ce ne sont que des résultats qui sont encore en suspens. Parce que quand vous appelez à un dialogue international sur la RDC, qui vont aller dans ces dialogues-là? D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a la volonté manifeste des populations déportées du Rwanda, appelées Banyamulenge ou Banyarwanda, constituées de Hutu et de Tutsi, qui habitent une grande partie du territoire de Rutshuru et dissipées dans d'autres territoires, notamment Masisi et autres,
qui aujourd'hui se considèrent plutôt comme étant des Congolais de souche. Ouais. Et ils veulent aussi avoir une partie des terres. Parce que le vrai problème, c'est celui-là. Ouais. Maintenant, quand nous allons opter pour ce dialogue international sur la RDC, ouais, est-ce qu'eux aussi prendront part à ces dialogues? Les pays agressés qui visent les richesses de la RDC, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et d'autres pays de la sous-région, avec une complicité internationale, parce que toutes ces matières premières qui sont exploitées au niveau de la RDC ne transitent que par ces pays-là pour rejoindre les multinationales de différents liens. Une fois, j'avais suivi sur ce même plateau quelqu'un dire « Voilà, d'ailleurs, la grande destination de toutes les matières premières, c'est la Chine, alors que nous acquisons les États-Unis. » Mais allez maintenant consulter, ces entreprises qui sont installées en Chine, ce sont la plupart des entreprises ou des industries de nationalité américaine. Qui sont allés s'installer en Chine pour la main-d'œuvre, qui est profitable. Ils sont profitables, voilà. Est-ce qu'il faudrait les inviter tous dans cette table, dans cette conférence internationale sur la RDC? Et si tel est le cas, cette conférence se tiendra dans quel pays? Parce qu'on va parler de la RDC. C'est que ça sera en RDC ou ailleurs. Si ça sera en RDC, est-ce que toutes ces multinationales, qui d'ailleurs ne sont pas encore identifiées jusque-là, hormis Apple, je crois, toutes ces multinationales qui pillent et qui téléguident nos agresseurs pour exploiter nos minéraux, est-ce qu'ils vont accepter tacitement qu'ils sont impliqués dans ces systèmes et ils vont venir ici en RDC pour participer à cette conférence? Est-ce que le Rwanda accepterait de dépêcher sa délégation pour venir ici dans notre capitale ou dans une autre partie de notre territoire qui sera choisie pour héberger cette conférence-là? Et voilà toutes ces questions-là qui nécessitent des réponses claires et nettes. Pour citer, monsieur le journaliste, je crois que nous devons manifester cette volonté de l'unité nationale. Pour Martin Fayoulou, reconnaître les institutions d'abord en place. Reconnaître l'issue des élections. Ça, je le fais sans pour autant attaquer. Nous devons le reconnaître. Le président l'avait dit. Voilà. Pour la conférence internationale, quels seront les tenants, les aboutissants de cette conférence? Très bien. Qui seront les acteurs qui vont y participer? Et cette conférence aura lieu où? Si c'est à l'extérieur de la RDC. N'est-ce pas cela une volonté manifeste de pouvoir accompagner le morcellement de notre pays? Parce que, croyez-moi, messieurs les journalistes, la guerre à l'Est, c'est un problème foncier. C'est une population que nous avons accueillie. Et cette population n'a pas de terre ici chez nous. Ce sont nos populations indigènes et autochtones qui détiennent la terre ici chez nous. Et cette population que nous avons accueillie, il y a de cela plus de 10 décennies, réclame aujourd'hui être détenteur des terres ici en RDC. Le socle de ce problème-là réside dans le problème foncier et dans les problèmes identitaires sur la RDC. La problématique de l'exploitation ou économique ne vient que se greffer aux problèmes qui sont suscités par les communautés que nous avons accueillies il y a cela 10 décennies. Vous conviendrez avec moi que Makenga n'a pas été membre des forces armées. Makenga a été formé ailleurs. De même, Bosco Tanganda et Kunda Batware et tous ces autres-là, ce sont des subsidiaires de l'armée rwandaise qui sont utilisés ici chez nous. Qui utilisent qui? Qui utilisent leur population pour servir leur cause. Donc, en tout état de cause, il faut des préalables pour aller soit dans les dialogues, comme le souhaite, ou à une conférence internationale. Merci beaucoup. Pasteur, vous avez suivi le préalable présenté par M. Herry. Alors, comment comptez-vous conduire la cohésion nationale par le dialogue et pourquoi les choix des animateurs? On a parlé de chefs religieux. Merci beaucoup. D'abord, c'est pour la première fois aujourd'hui d'apprécier quand même l'intervention de M. Herry.
Eric. Eric. Mais sincèrement, je suis perdu. Et lorsque j'attends les représentants de Mukwege, moi j'ai beaucoup d'estime et de considération pour cet homme. C'est notre patrimoine aussi, et surtout dans son domaine. J'ai dit que celui qui a écrit ce torseau-là à Mukwege, il faut le déchirer. Je ne sais pas si ce sont des choses qu'on a ramassées, venir écrire au XXIe siècle. Vous demandez tous les États du monde de s'asseoir quelque part pour parler Congo. Ça, c'est quel raisonnement, ça? Et avec beaucoup de légèreté dans un plateau sérieux comme ça, vous dites qu'il y a des lobbying qui ont fait pour que Fayoul puisse échanger. Bon, il a changé quoi par rapport à... Puisque je vous ai rappelé ici qu'en 2011, il a demandé le dialogue. Les autres sont partis dans un système, dans un truc que Kabila... Parce que Kabila n'a pas voulu le dialogue dans le format que Fayoul avait demandé à l'époque, là, il soutenait Papa Tshisekedi, dit qu'on avait organisé, il avait organisé ce qu'on appelle j'ai perdu encore les plateformes qui soutenaient Papa Tshisekedi, les nouveaux venus. En 2019, il a demandé, quel est le lobbying qui ont demandé, qui ont donné l'argent à Fayoul pour demander ce dialogue? Vous comprenez, ça c'est la facilité. Mukwege, c'est un spécialiste, c'est un médecin. Laissez-lui dans son domaine. Mukwege n'est pas politique. Sincèrement, il y a quelqu'un qui a écrit ces papiers-là et il ne faut pas venir avec ça. Ce sont des bêtises, mon frère, avec beaucoup de respect. Pourquoi tu peux dire ça? Mais il dit ici, parce qu'il y a de lobbying, il y a la main noire de l'extérieur. Mais lorsque Mbosso dit, chers compatriotes, sortez dans des groupes armés. Ça, c'est toujours les gens de l'extérieur. Lorsque vous parlez de multinationales, d'abord la communauté internationale fait allusion à quoi? La Centrafrique fait partie de la communauté internationale. La RDC fait partie de la communauté internationale. Lorsqu'on parle de la communauté internationale, chers compatriotes, dans le Conseil des Nations, ici, on fait allusion tout simplement aux grandes puissances. C'est-à-dire ceux qui ont le droit de veto et ceux qui ont des grandes économies. Vous comprenez? Ceux qui ont des multinationales. Et des multinationales, là, ce ne sont pas des entreprises étatiques. Peut-être que ce sont des entreprises privées. Vous avez, je vais donner les abolorettes ici, des Total, des Angels. Ce sont des multinationales. Ils ont leurs avoirs ici en Afrique. Vous comprenez? Quand un président, vous êtes aujourd'hui élu président français, tu ne peux pas te réveiller, battre comme ça, un coup de baguette magique. Tu dis, allez, parce que Bororo, tu vois là-bas en Afrique est ferme. Mais il y aura des faits néfastes en France. Vous comprenez? Ça dit peut-être qu'on est à l'extérieur, on ne comprend pas. Mais les Borolais, tous ces mondes de multinationales, quand ils volent en Afrique, mais c'est en complicité avec les chefs d'État africains, c'est ça la réalité. Quand la MICI dit que nos minerais traversent là-bas, tous les politiciens, depuis vers la fin, je peux dire vers la fin du régime Mobutu, mais ce sont des héros de l'époque qui prenaient leurs minerais et allaient vendre là-bas. Jusqu'aujourd'hui, les politiciens congolais, ce sont eux qui prennent les minerais, qui vendent. Vous avez suivi les porte-parole de Ouazalendo, qui a cité le nom des ministres, moi je ne peux pas citer ici, tel est ministre, il a son carré minier. Tu n'as pas suivi le procès de celui ici qu'on a dit ici, c'est le monsieur qu'on a de tout ici qu'on a. Nwangachuch. Tu n'as pas suivi son procès? Il a tous les papiers, tous les documents. Il a des militaires, il a l'armée. Vous comprenez? Donc, c'est une guerre de complicité. Alors, peut-être le problème, c'est l'orgueil de penser que Fayoul a dit quelque chose. Nous, de mes côtés, on ne peut pas s'aligner. Mais ce qu'il a dit, Fayoul a ce qu'on appelle la légitimité populaire. Mukwege a une légitimité internationale par rapport au travail qu'il est en train de faire. Sur le plan sociologique, Mukwege, sur le plan au Congo, Mukwege, tu ne peux pas le comparer avec Maté Fayoul. Vous comprenez? Fayoul, c'est un politique qui n'a pas commencé aujourd'hui depuis la conférence nationale souveraine. Il est resté droit dans tout ce qu'il fait. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut venir avec beaucoup de légèreté dire qu'on l'a donné l'argent, pourquoi il a changé. Non, non, ce n'est pas gentil. Donc, c'est que Fayoul. Mais nous avons fait, nous avons, d'abord je vais répondre d'abord, oui, je vais répondre d'abord. Parce que souvent il y a des amis qui passent toujours, ouais, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, autant les 70 dialogues, ça aboutit à quoi? Mais il faut comprendre aussi, contextualiser les débats. C'est que la plupart des dialogues, même sous le régime Mobutu, qu'est-ce qui s'est passé? Soit Mobutu ne veut pas organiser des élections, et c'est-à-dire les opposants, ceux qui étaient comme l'opposition de l'époque, pensaient que tu as dépassé. Merci. Je vous en prie, tu as dépassé. Alors Mobutu, qu'est-ce qu'il faisait? Il va chercher à créer de fausses crises pour provoquer des dialogues et chercher comment débaucher quelques cas dans l'opposition. Et en attendant, il continuait. Et c'est le même schéma, le même tableau que Kabila a fait. Vous avez vu combien de fois il a envoyé les gens, les Togolais, là, si c'est Kodjo, pour aller voir Papa Tshisekedi. Mais Etienne, quand il est venu ici, il dit que Kodjo, là, c'est un kabiliste. C'est-à-dire, on crée des dialogues
C'est lui qui a le détenteur du pouvoir. Il sait qu'à l'issue du dialogue, c'est lui qui va conserver le pouvoir. Mais ce ne sont pas des dialogues mis en place pour trouver une solution. Par exemple, voilà le vrai dialogue. C'est ce qui a été passé, par exemple, à Sun City. Là, tout le monde était mis en pied, au même pied d'égalité. Vous comprenez? Mais c'est après qu'on organise maintenant les élections et que Kabila a commencé maintenant à tricher et ce qui nous a amené encore dans les désignons que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons des pères des églises. Ils ont quand même immolarité, c'est-à-dire ils ont quand même ils représentent la conscience collective, que ce soit ceux qui sont de l'autre côté du pouvoir. Personne, si vous attendez même déjà du pouvoir dire Ambongo, tout ça, on appelle ça l'ivresse du pouvoir. Ils savent que la lutte qu'Ambongo fait, la même lutte que Malula a fait, et Tchaou et Mosengo, c'est une lutte pour l'intérêt national. Donc nous avons ces gens-là qui représentent quand même la cohésion de notre pays. Ils peuvent être là, on ne dit pas qu'ils seront seuls. Ils seront aussi ensemble avec les représentants de toutes les parties. Ici, quelles sont les parties composantes? Nous estimons que Félix est avec son union sacrée, avec tous ceux qui sont avec lui. Ça, c'est un bloc. Le deuxième bloc, c'est M. Kabila qui a dirigé, parce que vous avez suivi, Félix dit que derrière Nanga, il est là. Nous savons qu'il représente quelque chose. Lui aussi. Il représente quelque chose dans quel... Mais il a déjà qui le soutient jusqu'à aujourd'hui. Kabila déjà, on doit dire des choses vraies. Et avec l'échec Kouza de Félix, aujourd'hui, vous entendez même dans d'autres coins, d'autres populations qui disent que Kabila Kouta, ça vient. Mais il représente quelque chose. Troisième bloc, c'est le bloc de M. Katoum. Lui aussi, dans l'espace Grand Katanga, il représente quelque chose. Le dernier bloc, c'est le bloc Martin Fowl avec les siens. Et en dehors de ça, nous avons aussi des personnalités de grande importance, notamment Mukwege et de Kabouye et Kaboul. Oh non, moi j'ai beaucoup d'estime, c'est par rapport à la congruité que je viens d'entendre ici. Non, on va amener le Congo, je ne sais pas. Merci. On va discuter en Chine, c'est ça. Et vous allez appeler aussi les Rwandais comme l'ami venait de dire. Ça dit les Rwandais seront là, les Ougandais seront là, et vous discutez Congo. Ça, c'est quel raisonnement? C'est tellement terre à terre. Merci. Alors, on termine avec vous et on prend la deuxième thématique. Monsieur Eric, par rapport à tous les animateurs cités ici, vous pensez que, bien que le pasteur n'a pas répondu à votre inquiétude sur la reconnaissance des institutions en place? Donne-lui la parole. Il sait. On n'a pas organisé de bonnes élections. Les élections d'une semaine. Avec les machines à voter à la maison. Très bien, merci. Alors, par rapport aux animateurs, comme ça, on chute avec monsieur Maris. Vous voyez, il y a une volonté manifeste de ne pas aller au dialogue. Parce franchement, que... déjà. Mais Félix aussi n'a pas reconnu Kabila. En 2011. Il y a même des images qui existent. Quand vous ne reconnaissez pas le président en place ou l'institution en place, c'est qu'il y a conflit. Mais nous sommes allés quand même, malgré vous, je vous en prie. Je vous en prie. Pardon, en 10 secondes, avec beaucoup de respect. Félix n'a pas reconnu Kabila. L'émission existe chez Sylvie Bongo. On lui pose l'émission d'abord, c'était à Lingala. Il dit, moi, ça c'est Félix, jusqu'à ma mort, je n'appellerai jamais Kabila président. Sylvia, Jonas a dit pourquoi? Il a dit, mais parce qu'il n'a pas été élu. Il a volé notre pouvoir. Il dit, mais vous êtes allé à l'époque, là, c'était la Cour suprême. Vous êtes allé là-bas. Non. Là, cette cour-là, cette histoire-là. Il dit, mais vous avez, vous tirez ces données-là. Il dit, allez chez l'église catholique. Ils ont des vrais résultats. Donc, mais ça n'a pas empêché à Kabila et Papa Tshisekedi les autres d'aller aux assises de la Cinco. Ça, c'est pas un débat. Voilà. Donc, on va chuter avec vous. Au moins, on a du mal à pouvoir reconnaître les présidents en place, les institutions. Vous aurez également le les élections qui ont été organisées. C'est là déjà travaille la conscience collective. Il y a déjà une volonté de ne pas pouvoir aller à ce dialogue-là que nous-mêmes, vous-même, vous proposez. Okay. Parce qu'il faudrait des préalables. Parce que ne pas reconnaître les institutions et le gouvernement en place ou les présidents de la République, c'est entretenir aussi une partie de confusion et une partie de conflit. Donc il faut d'abord commencer par reconnaître d'abord. C'est réconcilié. Mais je crois que le président de la République, il lui reste encore 4 ans. Cette guerre ici, moi je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, on ne peut la remporter que par la voie des armes. Okay. Parce que l'ennemi, comme l'a rapporté le pasteur, que comment notre armée peut pleurer? Non, nous, on respecte ceci, mais l'ennemi ne fait. Mais non, quand on vous tape, il faut faire quoi? Il faut taper. Cette population-là, mon peuple, ma population de l'Est, a beaucoup souffert de cette problématique de la guerre à l'Est. Donc, il y a lieu de pouvoir trouver une solution par rapport à cela. Il faut dire clairement que les Banyamulenge, les Banyarwanda, les Tutsi ne sont pas des Congolais. Qu'ils ont été déportés. Les études sont là, les preuves sont là aussi. D'ailleurs, les HCR détiennent
l'ambassade des États-Unis détient toutes ces données-là, et l'Angleterre aussi détient toutes ces données, par rapport à la déportation qu'il y a eu. Vous avez suivi les camps Kikuni qui s'est dit n'est pas concerné par le dialogue. C'est Kikuni qui... Mais ils n'ont même pas tenu compte de la société civile. Ils n'ont même pas tenu compte de la société civile. Donc, je crois que ce dialogue, même si on partait dans ce dialogue avec ce format-là, ça enfanterait d'un sourire. Merci. Alors, cher Marius, c'est vos réactions et puis on aborde Soyez objectifs dans la répartition des paroles. Ne pas venir ici pour parler Kabila et Tshisekedi et Fayulu. Moi, je dis ceci. Parce que monsieur m'a dit que... Nous parlons comment, monsieur le pasteur a dit ici que Fayulu a une légitimité sociale sociologique que Denis Mukwege, et que Denis Mukwege devrait rester, n'est-ce pas, dans son confort en tant que médecin. C'est pas ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Attendez, je peux vous dire ceci. De tous les Congolais aujourd'hui, les acteurs politiques, parce que vous voulez dire que Mukwege n'est pas politique, de tous les acteurs politiques aujourd'hui qui existent, il n'y a pas un seul acteur politique qui a les œuvres palpables plus que Denis Mukwege. Denis Mukwege, il est le seul qui porte plus haut. Et il a même allé au-delà de décrocher, n'est-ce pas, certaines résolutions que le gouvernement de Tshisekedi n'arrive pas à utiliser. La résolution 1502 qui interdit l'exploitation et la commercialisation des matières premières venant des zones de conflit, en particulier en RDC. Cette résolution-là existe, que Denis Mukwege a décroché en 2010, qu'il n'utilise pas. Et pourtant, ça serait un instrument pour coincer, n'est-ce pas, le multinational. Qui est-ce, parce que le pasteur l'a si bien dit, ce sont les multinationales qui sont de privé qui achètent ces matières-là. C'est pourquoi Mukwege dit, tant qu'on n'invite pas ces multinationales-là sur la table et leur dire non, il y a possibilité de passer par la grande porte, de venir au pays, de négocier avec le gouvernement. C'est pas ce que Félix Tshisekedi est en train de faire dans sa diplomatie. Non, c'est-à-dire la diplomatie de Tshisekedi, c'est un échec patent. Et une diplomatie qui extravertit la sécurité des Congolais. Vous allez dire que ça, c'est une diplomatie agissante. Non, on ne peut pas dire ça. C'est ainsi que, je rappelle encore, que tous les dialogues que nous avons connus, c'est appelé des dialogues de cohésion nationale, dialogues pour le salut national, ont toujours fini par le partage du pouvoir. Et là, on ne parvient toujours pas à toucher les questions profondes. Aujourd'hui, Mukwege parle de dialogue de renforcement de la conscience nationale. Qui va les convoquer, ce dialogue-là, les votes. Le dialogue de renforcement des capacités de la conscience nationale. Là, ce n'est pas pour partager le pouvoir. Qui va les convoquer? Ouais. Là, ce n'est pas pour partager le pouvoir, mais pour amener les Congolais à parler le même langage. Ouais, comme nos pères de l'indépendance, en 99, ils se sont mis ensemble et ils ont décroché l'indépendance. Qui, malheureusement, n'est pas total. Mais ce n'est pas la communauté internationale qui a convoqué. Ils se sont mis ensemble. La communauté internationale, on ne peut pas s'en passer. Malgré, on peut parler de la souveraineté nationale, mais aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on ne vit plus en vase clos. N'est-ce pas? Le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire où il y a interaction. Ce que nous vivons ici, le Rwanda, l'Ouganda, laissez-moi, monsieur, quand vous parliez, je vous relance seulement avec beaucoup de respect. Oui, je vous suivais. Donc, on doit respecter, n'est-ce pas? Donc, disons pas respecter, mais les Congolais doivent être au même niveau, avoir le même langage, pour avoir la force de négocier avec les autres. Le pays ici, les multinationales peuvent venir au pays, s'installer, créer de l'emploi, n'est-ce pas, être exploité avec les Congos, et les Congos peuvent vendre maintenant nos matières premières. Tous ces partenaires sont derrière le processus de Luanda. Le processus de Luanda, monsieur, c'est pour flouer les yeux aux Congolais. Merci beaucoup. Ouais, parce qu'il n'y a pas que, n'est-ce pas, le Rwanda et l'Ouganda qui sont là-bas. Il y a des forces négatives aussi qu'on n'identifie pas, qui sont toujours financés par les mêmes multinationales. Et dans les conférences internationales pour la RDC, on peut demander ou imposer aux Rwandais et aux Ougandais d'organiser les dialogues à l'interne de chez eux, pour que toutes les forces négatives appartenant des Rwandais... Qui va l'imposer? Des Rwandais... Vous parlez superficiellement. Qui a imposé aux Congolais d'aller au dialogue à Sun City? Pardon, je peux répondre? Vous ne répondez pas, parce que la communauté internationale avait obligé les Congolais d'aller à Sun City. Non, c'est faux. On s'est mis à Sun City, mais malheureusement, on n'a pas résolu, les questions profondes. Et votre dialogue, vous demandez, qui va l'organiser? D'ailleurs, vous devrez d'abord regarder la situation, parce que vous n'avez pas la solution. Et suivre Denis Mukwege. S'il vous plaît, vous allez refuser d'aller aux élections.
Vous n'avez pas de députés nationaux. C'est à la veille des élections que vous revenez sur votre décision. Donc, Martin Fayoulou, il est terrible. Il change de position à tout moment. Un homme politique comme ça, il n'est pas quelqu'un à faire confiance. Aujourd'hui, il se trouve en difficulté. C'est mon point, il faudra faire confiance. C'est pourquoi il vient se connaître dans une conférence. Je vais en bonne position. Merci beaucoup. Alors, il a depuis longtemps, mon frère, vous le savez. Merci pour l'étudier que vous avez pour lui. Je voudrais accorder d'abord la parole à monsieur Eric pour faire un peu le tableau. On ne sent pas l'impact du gouvernement sur jusqu'au jeu, bien qu'il y a quand même des ministres qui se démarquent. Je voudrais votre point de vue par rapport jusqu'ici, le temps passé. Qu'est-ce qui bloque jusqu'ici pour que Madame Souminois puisse s'imposer sur le plan général? En fait, avant d'abord d'aborder votre question, je souhaite vous passer un mot par rapport à ces scènes que je viens de voir ici, sur ce plateau. Les deux sont de l'opposition, mais vous voyez, il s'est... Non, nous ne sommes pas de l'opposition. L'opposant, c'est lui. Même Félix, dans son point de presse, il a reconnu, dit Moukou, mais quand même, il est tempérament. Tu l'as pas suivi? Il est républicain. Il a dit oui, il est républicain. Moussito lui envoie quand même des SMS. Même s'il n'accepte pas qu'il est dans l'opposition, c'est qu'il a décidé de partir de l'Union sacrée. Ah, voilà. Nous sommes des résistants. C'est Kabila qui nous rejoint. Marius a continué à lutter dans l'opposition, mais il y a moins de faire des propositions et de répondre au préalable des Congolaises et des Congolais. Pour répondre à votre question par rapport au gouvernement Souminois, qui d'ailleurs, dissipé, va totaliser ses 100 jours, je crois notre sondage que nous avions mené dans le cadre du club de réflexion des corps scientifiques de l'Université de Kinshasa, par rapport aux collaborateurs proches, collaborateurs directs et des collaborateurs indirects du chef de l'État, nous avions dégagé trois catégories de ces collaborateurs du chef de l'État. Il y a la première catégorie qui représente 45% plutôt, des gens qui sont là, qui se disent membres du gouvernement, proches collaborateurs du chef de l'État, mais qui n'ont pas compris la vision du chef de l'État. Du fait de ne pas comprendre la vision du chef de l'État, alors ils ne savent pas quelle action mener pour contribuer à la matérialisation du programme du chef de l'État. Et la deuxième catégorie représente 45% des membres du gouvernement et des collaborateurs proches du chef de l'État. Dans ces 45%-là, il y a ceux qui ont compris la vision du chef de l'État, mais ils ne veulent pas mettre des programmes ou des politiques publiques en place pour que le mandat chef de l'État puisse être une réussite. Okay. Mais pourquoi? C'est par mauvaise foi politique et par peur que ce mandat chef de l'État puisse être une réussite totale. Et il n'y a que 15% des membres de gouvernement et des collaborateurs proches du chef de l'État qui ont compris la vision du chef de l'État et font un effort considérable pour pouvoir matérialiser cette vision-là. Et en cela, nous avons classé certains ministres ou certains collaborateurs de l'État. Nous avons fait exception de M. Julien Linguette. Nous avons mis l'accent sur les actions que mène le ministre de la Justice. D'ailleurs, c'est quelqu'un que nous félicitons beaucoup parce que c'est quelqu'un avec qui nous avons combattu ensemble dans la société civile jusqu'à ce qu'il puisse transiter dans la politique. On a été avec lui. Cela voudrait dire aussi passer un message au chef de l'État et aux politiques que les gens qui viennent de la société civile, comme nous autres, nous pouvons aussi apporter quelque chose, une touche nouvelle par rapport à la psychologie politique et à la psychologie de la gestion et de la gouvernance de notre pays. Okay. Que le chef d'État puisse aussi voir comment jeter son dévolu dans le remaniement qu'il pourra faire dans peu de jours. Et aussi, Jacquemain Chabani, dont nous le voyons à tout moment sur le terrain. Nous voyons aussi certains ministres qui se démarquent, tant soit peu, mais au moins ils fournissent quelques efforts. La deuxième phase de ces sondages, nous allons le faire, je crois, sur le mois de septembre. C'est là que nous allons publier les deuxièmes sondages que nous allons faire en rapport avec les 100 jours. Mais que cela ne tienne, Madame la Première ministre Jeanine Souminois est en train de mettre tout en place pour pouvoir imprimer réellement une gestion à l'attente des chefs de l'État et aussi de la population. Parce qu'il y a certains ministres aujourd'hui que j'appelle des ministres sorciers. Croyez-moi, pourquoi? Parce qu'il y a des ministres qui ont été au séminaire,
qui avaient pris part au séminaire, mais sur le terrain, nous les voyons, comment est-ce qu'ils sont en train de brûler le feu rouge et le code de la route qui ne les respecte même pas. Ils prennent des sens cyniques. Merci. Et sont des fois d'ailleurs interpellés par la police, mais ils ne tiennent même pas compte des agents de la police qui les interpellent. Alors, ce genre de ministres ne méritent même pas la considération auprès des chefs de l'État et auprès de la première ministre. Merci. Ce sont des ministres à sanctionner et à suspendre dans des conseils, leur participation dans les conseils des ministres pour au moins les interpeller et les corriger. Merci beaucoup. Et alors, une demande que nous voulons faire, M. Daniel permettrait, nous souhaitons que le chef de l'État puisse déclarer la province du Nord Kivu, le Sud Kivu, comme des provinces patriotiques. Okay. Merci beaucoup. Très bien, très important. Alors, cher Mario, c'est vous, à vous également, votre analyse sur le gouvernement jusqu'ici, son impact sur tous les plans, de manière ramassée. Bon, quand je regarde le gouvernement, je regarde la première ministre, Mme Soumino, j'ai comme l'impression que la dérivée seconde de Samalou Kondo. Il n'y a rien. Et le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas Soumino, ce n'est pas qu'elle n'est pas compétente. La façon dont le gouvernement a été constitué, n'est-ce pas, avec beaucoup de populisme et de népotisme. Et là où il y a populisme et népotisme, on ne peut pas attendre de bons résultats. Il n'y a pas même un seul ministre aujourd'hui qui est performant. Il n'y en a aucun ministre. Aucun ministre qui présente un bon travail. Il parle de Costa Mutamba. Est-ce que Costa Mutamba touche des questions profonde. Ouais. La volonté est déjà là. Non, ce n'est pas question de la volonté. Est-ce qu'il touche la question profonde? Il y a Nicolas Kazadi qui a été indexé. Il y a eu la clameur publique. Un ministre avec qui il a travaillé dans le même projet a été même arrêté. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Nicolas Kazadi? Il est libre. Dossiers, et la faiblesse, ça vient d'où? Ça vient d'en haut. La faiblesse vient d'en haut. Parce que vous avez senti comment est-ce qu'il a été défendu? Dans le militaire, la vie sociale des militaires n'est pas au rendez-vous. Donc, il n'y a pas même un seul ministre. Vous avez suivi le briefing du ministre de l'économie, Mokoko Samba. Est-ce que un ministre d'économie, professeur de son état, docteur en droit, peut-il prendre des mesures comme il avait pris? Il ignore la production locale. Il donne des facilités pour que les Congolais, pour que notre économie soit une économie de consommation. Donc, il renforce l'idée que. Donc, il donne la facilité encore aux importateurs. Importe encore davantage. Mais le producteur local, il n'a pas fait allusion à ça. Donc, la décision qu'il a prise, c'est juste une décision à court terme. Imaginez-vous la question de maïs encore dans les Kassai. Mais le ministre de l'économie à l'époque, il est passé avec une délégation de plusieurs ministres à aller chercher le maïs. Mais est-ce qu'ils ont répondu à des questions profondes? Ils n'ont pas soutenu la production locale. Ouais. Donc, il n'y a aucun ministre. Parce que le président lui-même, à son temps, avant que le gouvernement soit, il avait promis de nous faire sortir un gouvernement qui ne va pas l'amener à tomber dans les erreurs du passé. Mais malheureusement, 40% de ceux qui ont participé à l'échec du passé sont encore revenus dans le gouvernement. Quel résultat que vous attendez? Okay. Quel résultat que vous attendez? Ça, c'est à vous également. Bon. Le gouvernement a soumis, non? Non, ça c'est une distraction. Je vais répondre, mais oui, on a passé des temps. Je réponds. Allez-y. J'ai dit ceci. Peut-être un jour, si le Créateur éternel décidera de reprendre son serviteur Martin Fayou, s'il y aura une autre personne, je ne sais pas, peut-être un jour s'il va changer, qui sera peut-être à mon humble avis sérieux, crédible, que je peux soutenir, c'est Mukwege. Okay. Mais il ne faut pas prendre les risques de comparer aujourd'hui. De comparer aujourd'hui la lutte que Fayoul a fait depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui en 2024. Il ne faut pas le comparer avec Mukwege. Mukwege est devenu politique en 2023 sous pression de maman. Ah non, je vous en prie, je l'injure. Peut-être s'il est allergique, c'est son problème. C'est en 2023 ici qu'il est maman. On dit, non, il doit devenir candidat. Tout le monde sait que c'est un partenaire sérieux de Martin Fayoul. Je ne suis pas venu ici pour dire des bêtises. Mais sociologiquement, par là, si dans le terrain politique, il n'est pas la trempe de Martin Fayoul. Donc, ce qui est vrai, il a l'aura internationale, il paie ses services de son carnet d'adresse à travers ses lobbying, même pour avoir la paix, surtout dans la partie orientale. Ce qu'il fait, il bénéficie même des dons et ainsi de suite pour faire tout ce qu'il fait là. Nous le soutenons. Mais dans le terrain politique, c'est pourquoi vous l'avez induit à l'erreur. Il devait travailler ensemble avec Martin Fayoul. Vous avez cru que, peut-être parce qu'il est connu dans des grands forums, tout ça, il est. Non, Fayoul. Vous avez dit, je crois, ils sont les deux leaders qui ont bâti campagne, ça corrompre les gens.
c'est Fayoul et Mukwege. Mais vous avez vu les cas. Donc, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Donc, par rapport à votre question, c'est comme si vous êtes en train d'attendre. Je ne sais pas, je ne vais pas donner cet exemple-là. Mais dans les mal, les biens ne sortira jamais. J'ai toujours dit, ceux qui sont là, c'est un marché de dip, c'est un groupe de gens. Il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que dans la gestion moderne, il y a d'abord des préalables, chers compatriotes. On doit parler maintenant scientifique. Il y a des préalables. Notamment, une justice, permettez-moi de dire, une justice juste. Un investisseur serré, à part des Indo-Pakistanais de coopérer ici qui coopèrent avec des politiciens pour construire des immeubles, des supermarchés, un investisseur serré ne viendra pas investir dans un pays où le chef de l'État lui-même dit que la justice est corrompue. Personne serré ne viendra. Et si l'investisseur serré ne viendra pas, vous aurez l'argent où? Deuxièmement, lorsque vous n'avez pas une administration efficace et efficiente, imaginez, nous sommes là, prenez seulement la fonction publique. Les ministres de la fonction lui-même, comme il est là, tout l'État qu'il a fait, il ne connaît pas les nombres exacts des fonctionnaires qui sont dans la fonction publique. Et l'administration en général. Vous comprenez? Alors, pour avoir même des documents de l'État, on commence à imprimer ça dans des cybercafés. C'est n'importe quoi. Des investisseurs ne viendront pas dans ces pays. C'est pourquoi vous voyez les autres préfèrent aller là-bas, au Rwanda, ici, dessus, parce que là, tu peux payer une taxe. C'est contrôlé, c'est tout le monde, on sait. Mais ici, tu essaies seulement d'ouvrir même une petite boutique, une pharmacie. Tu vas voir le matin comme ça, le nombre de gens qui sont devant, tu penses qu'ils sont venus demander les médicaments. Oh, peut-être 15 personnes. Nga environnement, nga niniboya, nini, on gâte, nga ya ville, nga ya commune, nga ya secte. C'est compliqué. Tout ça, donc, bakoukambongo. Un autre indicateur, c'est la sécurité, frère. S'il n'y a pas la sécurité, quel est cet investisseur qui reviendra investir? Personne ne viendra. En dehors de ça, dernier élément, je peux dire ici, c'est la, je peux dire la réunification de la RDC dans des voies, soit à travers les voies, via des voies de communication, voies aériennes, voies routières, et voies fluviales, si on peut ajouter aussi l'électricité. Voilà des facteurs qui peuvent booster le développement. Mais tout ce que vous venez d'énumérer ici, et que ça, les magasins que vous allez acheter, et les conseils que vous voyez là, la présence, ce sont des copiras. Ils voient un chinois là-bas. Non, bon, moi, je suis un peu plus de sécurité. Je suis la police. Je suis un peu plus de sécurité. Je suis un peu plus de chinois. C'est comme ça. Mon cher Benda Balare, on construit en Italie, on construit, on achète en France. C'est comme ça, logique, dès qu'on est au Tambour. On a besoin de leaders éclairés comme Martin Fall, qui viendra, comme à l'époque, là, c'était Papa Tchèque Sekedi. Il a été nommé sans avant. Tout. Merci beaucoup. On m'a dit par un aîné. Etienne n'a même pas commencé le boulot. Les volets de Mobutu là allaient remettre des biens mobiliers et immobiliers qu'ils avaient pris. Les gens ont peur. Le roi a fallu comme président, papa. Mais ici, vous avez suivi des ministres et des conseils qui disent non, nous, on coopère à la place des chefs de l'État. Si lui ne coopère pas, vous avez combien on les a arrêtés ici, dans ma caméra, dans ma banque, tout ça. Et après, bon forage. Oh non, vous savez, c'est le chef lui-même qui les protège. C'est lui qui a mené tous ces fermiers, tout ça. C'est compliqué, frère. Il ne faut rien s'attendre là. Et à mon tour, nous connaissons Yagoubimé là, parce que tu habites Nangapé, Anazakouya, tout ça. Donc, voilà un peu. Monsieur Eriquet doit être l'essor de ces 40 ou 30% que vous avez dit des ministres qui ne sont pas beaucoup plus dans les actions des terrains. Et après le deuxième sondage que nous allons faire au mois de septembre, c'est là que nous allons introduire encore une fois les recommandations au chef de l'État et à la chef du gouvernement pour que les mesures adéquates puissent être prises, pour que les trains puissent être mis réellement sur les rails. On retient quoi de manière ramassée avec le dossier de dialogue? L'appel à la cohésion nationale de manière... Mais il n'y a pas la volonté politique. Dans l'ère psychologie politique, il n'y a pas la volonté. Parce qu'ils ont difficile d'abord à reconnaître le président de la République comme celui qui a remporté les élections. Il est président des faits. Il est là. Ils ne reconnaissent même pas le gouvernement en place. Donc c'est là déjà, c'est déjà un blocage. Parce que qui va vous donner les cadres? Qui va accepter que le dialogue puisse être organisé et qui va financer ces dialogues-là? Au moins que l'argent vienne de l'extérieur, des États-Unis ou autres. Mais est-ce que ça va être accepté que cela puisse être organisé ici? Et j'appelle mais au moins à la conscience de Pasteur Serge. S'il vous plaît, Pasteur Serge, arrêtez de nous faire l'apologie de Nanga va arriver, Nanga bientôt va arriver. Non, je ne fais pas l'apologie. Non, mais quand vous, dites, quand vous dites par exemple Nanga va venir, mais nous le condamnons. Si réellement Nanga allait venir,
Hein, et que notre armée était faible comme on la présente aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Goma allait déjà tomber. Les autres villes, les autres territoires allaient déjà tomber. Mais si toutes ces villes et aucune province n'est tombée jusque-là, c'est parce qu'il y a la volonté du chef de l'État de pouvoir mettre un terme à cette agression. Là, il faut le reconnaître quand même. À vous également, de manière ramassée, ah oui, on retient quoi. Ici, j'appelle à la population congolaise de s'approprier la logique de Dr. Denis Mukwege pour avoir la conférence internationale pour la paix en RDC, afin que la paix soit effective et durable. Pas des solutions, des combines politiques qui finissent par déboucher au partage de pouvoir. Et cette conférence internationale pour la paix en RDC aura pour sous-bassement les dialogues de renforcement des capacités, le dialogue de renforcement de la conscience nationale à l'interne ici, pour que tous les Congolais soient au même diapason, qu'ils soient nivellés au même moment, quand nous allons à cette conférence-là, que nous puissions parler Congo. Là-bas, il n'y aura pas opposition, il n'y aura pas majorité. Il y aura l'intérêt du Congo qui va primer, afin que la paix soit effective. Et par là, ceux qui nous agressent, ceux qui soutiennent nos agresseurs, peuvent commencer maintenant à entrer par la grande porte, négocier avec les gouvernements, et pas n'importe quel gouvernement. Et les conflits d'identité. Et pas n'importe quel gouvernement. Quand vous parlez de conflits d'identité, c'est vous-même en Belgique, à Londres, je crois que vous avez dit que les Banyamulenge sont des Congolais. La vidéo est là. Faut pas venir, faut pas entrer sur ce dossier-là, sinon vous risquez d'avoir des problèmes dans votre famille politique. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc dialogue de renforcement de la conscience nationale est très important pour soutenir, n'est-ce pas, la conférence internationale pour la paix en RDC portée par Denis Mukwege. Pardon. L'évaluation de Madame. Non, Madame Souminwa a lamentablement échoué parce qu'elle lui-même est le fruit de l'échec. Elle est le fruit de l'échec au ministère du Plan et n'avait rien produit. Monsieur Pasteur l'a si bien dit, rien de bon ne peut sortir du mal. Ça, c'est le gouvernement du mal. Dans ça 30 secondes, bon on retient quoi, Pasteur? D'abord, nous invitons le peuple congolais, c'est samedi, à partir déjà de 9h. Le symbole d'unité nationale va atterrir à l'aéroport d'Engil, mais il va organiser, il va échanger, communier avec la population au terrain. Ici les injonctions. Au terrain. Des États-Unis. Au terrain Mambenga, qu'on appelle communément le terrain Masamba, juste c'est l'entrée Kimbuta. Nous allons échanger, il va échanger avec le peuple. Vous allez, je crois, le séjour là, le samedi, vous aurez à attendre le fond du message. Moi, je ne suis pas là pour. Je vous en prie, il ne faut pas déranger. Venez ce jour-là. Parce que la vérité, je vous en prie, vous dérangez. Maintenant, c'est mon temps. Oui, il faut le maîtriser. Vous m'avez donné 30 secondes, il est tenter de grignoter encore mon temps. Donc, nous demandons aux Congolais, Fayulu ne cherche pas l'emploi, c'est quelqu'un qui a travaillé dans une société internationale, c'est un homme crédible, il a le peu de moyens que l'Éternel Dieu lui a donné, il a la passion du Congo, il a la passion de ce pays. Si il était comme les gens de l'île de Pesse, parce que l'île de Pesse a soutenu l'entrée de la FIDER. L'île de Pesse a soutenu, il est allé négocier avec le Rwanda. Vous comprenez? Lorsqu'à tout moment, l'île de Pesse était secouée par le pouvoir, l'île de Pesse négociait avec les Rwandais. Dernièrement, ici, c'était avec l'M23. Vous avez vu que l'M23 était même ici. Nous, malheureusement, nous a poignardé. Je termine par là. On nous a poignardé en 2018, mais on a pardonné. Nous, on ne peut pas prendre le risque de soutenir Nanga. Parce que Nanga, il vient ici. Nous, les démocrates, nous serons perdants. Ils vont imposer, peut-être ils vont suspendre la constitution, faire tout ce qu'ils vont faire. Les amis ici qui sont là, même lui aussi, ils vont fuir, ils ne vont plus parler ici. Mais nous aimons ces pays. Nous sommes conscients qu'en organisant de bonnes élections dans ces pays, Fayulu sera président de la République. Et nous profitons par la même occasion de demander à notre compatriote Mukwege, que nous estimons beaucoup, de venir soutenir son compatriote pour avoir un État démocratique demain. Mais si avec cette histoire-là, internationale, c'est... Chaque pays a des problèmes. Très bien. Même les Rwandais ont des problèmes, les Français ont des problèmes. Donc il faut discuter sur le plan interne. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous sont pris. D'ici là, portez-vous bien.